Mesdames, messieurs, vous allez faire du bruit dans le coin rouge pour Antonia Zec. Donc l'entrée de l'adversaire de Claire Dramé, la Croate, Antonia Zec. Antonia Zec. Elle rentre déterminée sur le ring, Brahim. Oui, tout à fait. Et face à elle, pour représenter la France, elle nous vient de Draveil, Claire-Marie Dramé. Donc suivie de la Française Claire-Marie Dramé, qui boxe ce soir, Brahim, en moins de 70 kilos, mais sa catégorie d'origine, c'est les moins de 65. Mais malheureusement, il n'avait pas de combat en lice dans cette catégorie. Donc elle est montée, elle s'est lancée un défi de combattre en moins de 70 kilos ce soir. Un beau défi, donc par rapport à son adversaire, je pense qu'elle est un peu plus grande. Donc un peu plus d'allonge, peut-être un peu plus de puissance. Mais il ne faut pas sous-estimer la qualité de l'adversaire. Mesdames, et on sait que dans ce genre de match, ça peut aller très vite, comme on le disait. La représentante de la France, Claire-Marie Dramé, dans cette finale. Voilà, la Croate qui commence déjà à sautiller sur le ring. Donc elle se met en condition. Exactement. Championne d'Europe Asso en 2017. Claire-Marie, déterminée, concentrée. Sûr, et championne de France Asso également en 2022. Claire-Marie Dramé. Le regard fermé. Elle se prépare à entrer sur le ring. À aller dedans. Ah oui. Donc là, on voit, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on a vu... On a vu Claire qui saluait les arbitres, le public. Donc c'est un salut de boxe française, donc également codifié, et qui permet de débuter la reprise avec un sorte de salut qu'on voit également en escrime et qui permet de saluer l'adversaire. Donc avant chaque reprise, ce salut est de rigueur. Voilà, on voit qu'elle le refont. Alors, le regard d'un côté comme de l'autre, waouh, ça annonce ça ne se lâche pas. Un combat sous haute intensité. C'est ça. Ben, on sait que le début de reprise est assez important, et également la maîtrise des émotions, le fait de très important, de prendre la maîtrise des émotions. Voilà, le fait de prendre l'ascendant sur l'adversaire, à la fois dans l'attitude, mais également dans le regard. Claire-Marie qui est revenue cette saison après deux grossesses. Elle avait acquis son titre de championne d'Europe en 2017. Elle était déjà maman d'un premier enfant. Et puis là, elle revient à l'âge de 36 ans. Elle a quand même remporté le titre de championne de France en combat et en assaut cette année. Voilà, donc c'est un beau challenge que de revenir à la compétition, parce que on se remobilise, on reprend un rythme d'entraînement assez exigeant. Et on le voit, on peut dire qu'elle a réussi son pari, puisqu'elle se retrouve en finale du championnat d'Europe. Et elle nous montre dès le début de cette entame de reprise une présence et une belle condition physique. Ah, et on sent l'impact, hein, et on l'entend, en tout cas nous au bord du ring. Une belle condition physique, comme tu l'as précisé, Brahim. Effectivement, physiquement, elle se sent très bien à 36 ans. Elle m'a confié cette semaine qu'elle se sent aussi plus forte mentalement. La vie de famille joue très certainement. On a envie de tout donner pour ses enfants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a repris la compétition. Des choses à se prouver en tant que maman. Est-ce que je peux y arriver comme avant ? Mais aussi le fait qu'elle soit enseignante de PS et qu'elle enseigne la savate, boxe française, à ses élèves qui veulent souvent se confronter à elle, Brahim. Ah oui. Donc elle me dit, je voulais leur faire honneur. Et bah, peut-être vont-ils mettre les gants, croiser les gants avec la future championne d'Europe. Ça ne me surprend pas, en fait, puisque on peut dire
à l'école, chez les enfants, on a toujours cet esprit un peu, fin de la première reprise. Un peu de chamaillerie. Et c'est bien puisque la savate permet de canaliser un peu tout ça si on arrive à l'enseigner et le sport plus largement. Donc c'est très bien qu'elle puisse partager autour de sa passion, de sa discipline. Et également démontrer que, en tant que femme, maman et enseignante, elle arrive à mener tous ses projets de front. Donc, une belle performance. Je profite de cette pause pour saluer les partenaires. Très belle performance. Et puis, elle m'a confié également avoir le soutien indéfectible de son mari, qui est un soutien très précieux pour elle, qui lui permet de concilier sa vie professionnelle, sa vie sportive et sa vie personnelle. Bah là, tu soulignes un point assez important, Cynthia, c'est que lorsqu'on emprunte le chemin du haut niveau et de la compétition international, voire national, eh bien, on sait que on se retrouve seul sur le ring, mais on ne l'est pas en dehors du ring, puisque on a nos coachs, on a notre entourage. Allez, qui nous permet de nous mettre dans les meilleures conditions. Et elle ne fait pas exception. Donc on voit là, elle essaie de gérer sa distance. Mais la Croate a une activité quand même assez intéressante. Oui. Voilà, elle ne se jette pas, elle observe et elle essaye d'esquiver en se mettant hors distance les coups de Claire. C'est ça, elle est présente, hein, effectivement, la Croate. Bon, elle est hors distance, donc elle peut se permettre d'avoir une garde basse, Brahim. C'est ça, exactement. Voilà, donc là, un chassé pour bloquer l'avancée de Claire. Et ensuite, elle arrive quand même, la Croate, à envoyer un fouetté bas, encore un chassé. Donc on peut dire que c'est l'arme qu'elle privilégie dans ce combat. Et qui lui permet de bloquer les avancées de Claire et ses attaques. Donc comme on le disait, hein, cette deuxième reprise, elle est charnière. Et très certainement, elle peut faire basculer le combat. Tout à fait, parce que là, rien n'est joué sur cette deuxième reprise. Tout est encore possible. À noter quand même qu'il y a une différence de poids, parce que Claire fait à peine 61 kilos sur la balance. Donc déjà, elle me disait que sa catégorie, elle aurait aimé que ce soit peut-être les 60. Oui. Mais elle se sent prête à relever ce défi. Tout est possible, c'est sa devise d'ailleurs. Ouais, un coup en contre de la Croate. Et on le voit, elle ne se jette pas, elle attend Claire et ses déclenchements. Claire doit, je pense, mieux trouver sa distance. Voilà, elle parvient à esquiver, très bien. Peut-être remiser derrière. C'est ça. Remiser, c'est de marquer ses points, donc là, c'est ce qu'elle essaie de faire. Et la Croate vient de terminer quand même sur un chassé visage. Donc elle parvient à varier ses lignes, enfin varier les niveaux. Donc c'est bien, puisque ce qu'on demande aussi aux boxeurs, c'est de varier les attaques, d'essayer d'être complet dans leur boxe. Et encore une fois, la combativité, l'efficacité, la percussion sont des aspects privilégiés dans l'évaluation par les arbitres. Donc charge aux boxeurs d'essayer de rejoindre au maximum ces critères d'évaluation pour marquer le plus de points. Parmi les partenaires de ces championnats d'Europe, de ce grand week-end européen qui a, je vous le rappelle, débuté jeudi avec le tournoi qualificatif. Claire a commencé la boxe à la fac à l'âge de 21 ans avec pour entraîneur Franck Le Goff, qu'elle porte toujours dans son cœur aujourd'hui. S'il nous écoute, elle lui passe vraiment un grand bonjour et elle a eu un véritable coup de foot pour la boxe alors qu'elle venait du volley. Là aussi, les transfuges de discipline sont récurrents dans les sports, enfin en tout cas dans le sport. Et là, on voit que ça débute fort là, au niveau de la troisième reprise, et qu'on sent l'impact des coups de part et d'autre. Voilà, la Croate tourne, un coup tournant. Voilà, beaucoup d'engagement. Ouais, la Croate, elle est quand même particulièrement incisive, je trouve.
Elle parvient à toucher. Voilà, la Croate parvient à faire ses combinaisons donc en initiant en point et en sortant en pied. C'est ça. Donc ça lui permet de marquer ses points. Et là, de la même manière, elle a pris l'initiative d'avancer sur Claire au moment où elle envoyait son fouetté. Donc ça lui permet de casser la distance. Mais elle ne fait pas que casser la distance, elle envoie son enchaînement de points en même temps, ce qui lui permet de marquer son enchaînement. Voilà, on sent qu'elles veulent toutes les deux avoir une activité jusqu'au bout pour ne rien lâcher. Et je pense que ça va continuer jusqu'à la dernière seconde. Un petit accrochage. Un fouetté qui touche. Intérieur, oui. Voilà. Ah, bon, c'est une petite glissade. Donc on lui demande d'essuyer ses gants, bien évidemment. Là, vous voyez toujours le même enchaînement pour la Croate, hein. Anglaise, donc avec les points, et ensuite une sortie en pied. Je pense que, voilà, donc on arrive au terme. Et fin du combat ! Faites du bruit ! Encouragez-les ! Bravo ! Les deux combattantes de cette finale. Alors là, le suspense est total. C'est ça. C'est ça. Il y a eu un engagement des deux côtés. Oui. Le spectacle ce soir. Avec... Des touches qui ont fait mouche, hein. Le avec les points et en ligne basse pour la Croate pour et en ligne médiane et basse pour Claire. Donc là, le choix sera pas simple pour les arbitres. Effectivement, en tout cas, c'est un retour gagnant, peu importe la décision pour Claire. Elle ressent énormément de fierté d'avoir pu remporter deux titres nationaux. Et elle voudrait d'ailleurs faire passer un message à toutes les mamans, croire en ses rêves et se donner les moyens, surtout quand on est maman. Exactement. Et l'un des partenaires du Center Training Boulogne, Isabelle Coquillard et Jean-Claude Etienne. Venez. Donc on voit la Croate occuper le centre du ring, comme si elle était confiante. Donc bon, ça ne jouera pas sur les arbitres. Hein. Ils savent, ils ont vu le match. C'est et ça. Ont chacun rendu leur décision. Donc maintenant, il ne reste plus. C'est vrai que ce temps qui est pris en fin de reprise permet de recueillir les avis et le comptage des uns et des autres pour rendre la décision finale qui sera annoncée par le speaker. On note que la décision prend un petit peu plus de temps que les autres combats. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Preuve que c'est très serré. Ça peut être pour cette raison. On voit que les voilà. Passeports donc, pour remettre, sportifs sont rendus. Donc la décision va être rendue. Les récompenses va être rendue dans quelques instants. De la Fédération française et monsieur Jean-Claude Etienne. Au maire de Boulogne et qui représente également la boulangerie Beaucourt. Voilà, des athlètes qui arborent leur drapeau. Finalistes fièrement au centre exactement. De l'enceinte pour la proclamation du résultat de cette finale catégorie des moins de 70 kilos ce soir. Championne d'Europe à la majorité des juges. Antonia Zek, la représentante. C'est donc la Croate qui remporte cette finale chez les mi-moyennes. Bravo à elle, bravo à Claire Dramé qui n'a pas démérité, loin de là. Voilà, c'est la boxe. C'est la boxe. Hein, Parfois, on revoit le combat, on se dit ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, mais je pense que la Croate a. N'a pas volé sa victoire puisqu'elle a été quand même assez productive dans ses enchaînements. Elle a produit pas mal d'enchaînements en points, en pied également en sortie. Voilà. Malheureusement, comme je le disais à ce niveau-là, il faut produire pour pouvoir marquer
le plus de points. Et également dans l'attitude, être la assez percutant, puisque la combativité est également évaluée pour rendre la décision finale. On peut le dire, la décision n'était pas non plus totalement pour la Croate, puisque la décision a été rendue à la majorité. Et donc une décision partagée pour elle. Donc Claire n'a pas démérité non plus. Bien sûr. Et à noter aussi la différence de poids. C'est la première fois que Claire combat dans cette catégorie demi-moyenne. S'il vous plaît. C'est son premier combat et c'était une finale européenne. Donc oui, c'est un beau résultat pour elle.